Avec la France, nous voulons simplement rompre les relations qu'on a actuellement, parce que ce sont des relations de pays dominés à pays dominants. Donc ce qu'on veut, c'est de recréer des relations de partenariat avec la France, d'égalité à égalité. Donc les relations, on veut simplement les situer dans le cadre du partenariat et dans la période dite de transition, parce que c'est à ce moment-là qu'on va mettre sur table les discussions sur les derniers transferts de l'État. Donc pour nous, il s'agit simplement de discuter de cela avec l'État. On en discutera essentiellement sur les compétences régaliennes, parce que c'est sur ces compétences que l'État est censé nous transférer. Donc, dans notre projet, on dit simplement qu'il faut qu'on fasse le partenariat avec la France, mais aussi on va discuter aussi de la nationalité, de la double nationalité, et puis de la reconnaissance internationale. Puissante, forte, pourquoi? De raison, parce que la France, d'abord, c'est le lien entre nous tous. La France, c'est la langue véhiculaire qui conduit les Calédoniens à se comprendre entre eux. La France, c'est les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, démocratie, liberté d'opinion, d'expression. Ces valeurs qui ont irrigué la Nouvelle-Calédonie au-delà de l'ethnie de chacun. La France, c'est une école, l'école de la République qui devient une école du pays, mais à laquelle tous les Calédoniens participent. Donc la France, c'est d'abord le lien entre nous tous, entre toutes les communautés du pays. Et puis la France, c'est bien sûr quelque chose qui nous protège parce qu'elle assume l'ensemble des compétences régaliennes, à la fois en termes de sécurité intérieure, police, gendarmerie, justice, mais également en termes de sécurité extérieure, avec la défense et les relations étrangères. Donc la France, c'est un peu comme le grand récif autour de notre île, ça nous protège de certains d'entre nous et puis aussi des prédateurs extérieurs.